D'accord. Au revoir. Salut les hamsters, bienvenue dans un nouvel épisode de l'Académie des hamsters. Aujourd'hui, nous allons parler des différences entre les types de plateformes d'échange de crypto-monnaies. Il y a deux types de plateformes d'échange de crypto-monnaies, centralisées et décentralisées. Les échanges décentralisés sont des plateformes où vous pouvez acheter et vendre des crypto-monnaies. Vous pouvez aussi faire cela sur les échanges décentralisés. Cependant, il y a des différences que vous devez garder à l'esprit lorsque vous choisissez où ouvrir votre compte. Mais avant d'aller plus loin, hamsters, veuillez vous rappeler que peu importe le type de plateforme que vous allez choisir, il y a des choses très importantes à considérer avant de prendre la décision. Sécurité. Recherchez quelles options de sécurité une plateforme offre pour protéger vos actifs. Évaluation. Ils sont là pour une raison. Consultez les évaluations et les avis de la plateforme pour savoir ce que disent les autres hamsters. Nombre de astuces. De nos jours, malheureusement, les hacks font partie de l'industrie. C'est pourquoi il est extrêmement important de choisir une plateforme qui a moins de piratage, ou mieux encore, aucun. Ouvrir un compte sur une plateforme d'échange de crypto-monnaie est... C'est aussi simple que de s'inscrire à une application. Vous choisissez une plateforme, remplissez les formulaires nécessaires. Et voilà, vous êtes utilisateur d'une plateforme d'échange de crypto-monnaie. Et alors? Les plateformes centralisées possèdent vos pièces. Pas vous. Une fois que vous les déposez, avec Skuld lancé, ils ont un contrôle de sécurité appelé KYC, Know Your Customer, où il est nécessaire de fournir votre pièce d'identité, numéro 5, et d'autres informations personnelles, tout comme acheter des noix. Vous devez savoir d'où ils viennent, à quel point ils sont frais, combien ils pèsent et combien ils coûtent. Les échanges centralisés offrent un nombre limité de paires de pièces à échanger. Vous pouvez également utiliser des monnaies nationales et d'autres méthodes de paiement pour effectuer un dépôt. Oui. Les échanges décentralisés ne possèdent pas vos actifs. Vous le faites. Ils sont non dépositaires. Ils ne nécessitent aucun KYC. Donc pratiquement tout le monde peut ouvrir un compte. Les échanges décentralisés ont une grande variété de paires de trading de crypto-monnaies. Parce que c'est plus facile d'y lister une monnaie. Il y a moins d'options pour déposer. Vous ne pouvez utiliser que des crypto-monnaies pour trader. C'est tout pour aujourd'hui, notre famille hamster. Merci de nous avoir regardés. Regardez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et souvenez-vous que les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. À demain!